La méditation de ce 24 mai est intitulée « L'Empire ottoman dans la prophétie ». Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Apocalypse 9, 14, 15. L'histoire des nations qui, l'une après l'autre, ont pris place dans le temps et l'espace, témoins inconscients d'une vérité dont elles ne connaissaient pas elles-mêmes le sens, nous parle. À chaque nation, à chaque homme d'aujourd'hui, Dieu a donné une place précise dans son plan. Les hommes et les nations d'aujourd'hui sont mesurés par celui qui ne se trompe pas. Ils décident eux-mêmes de leur destinée. Et Dieu dirige toutes choses pour l'accomplissement de ses desseins. Tout ce que la prophétie a prédit jusqu'à nos jours s'est accompli dans l'histoire, et nous pouvons être sûrs que ce qui doit encore arriver arrivera en son temps. En 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. Deux ans auparavant, Josiah Leach, l'un des principaux héros du retour de Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Quelques jours avant cette date, il écrivait encore « En admettant que la première période, celle de 150 ans, se soit accompli exactement avant l'accession au trône de Dragazès, muni de l'autorité des Turcs, et que les 391 ans et 15 jours aient commencé à la fin de cette première période, elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Or, je crois que ce sera réellement le cas. À cette époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Délier les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Apocalypse 9, 14 à 15. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.